Yo tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur mon skateboard. Je me trouve sur cet engin de la mort. Pas serein les mecs, pas serein, pas serein. Une planche, 4 roues, dont 2 motrices, 2 x 400 watts. Alors je sais plus si c'est 2 x 400 watts ou 2 x 500 watts. Quel mauvais élève, j'ai même pas révisé ma fiche technique en fait. De toute façon vous irez checker dans la description. Vous avez un petit lien comme d'hab. C'est la première fois que je fais du skateboard. Non sincèrement les mecs, on est vraiment pas sur un engin de débutant. Alors moi je suis débutant total. Bien sûr, comme d'hab, hein, prenez exemple sur moi. J'ai aucune protection, pas de casque, pas de coudière, pas de genouillère. Non vraiment, va falloir que j'investisse dans des petites protections et tout. Bon comment vous dire que je suis vraiment pas serein là-dessus. Mais alors vraiment, mais pas du tout. Vous avez oublié d'écrire entre parenthèses sur la boîte édition avion de chasse. Non parce que je veux dire, un petit skate pour débutants, une petite planche avec 4 roulettes qui roule à 10-15 km/h, ça m'aurait suffi mais amplement. Sachant que c'est à la vitesse à laquelle je roule actuellement, même pas, je dois être à 5 ou 10 tu vois. Et le skate est capable de rouler jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 50 km/h avec un engin de la mort pareil. Inutile de vous dire que vous ne le verrez pas rouler à cette vitesse dans la vidéo. Alors il est doté de 3 vitesses. Il y a eu une petite erreur sur le site, d'ailleurs je les ai notifiés, parce qu'en fait si vous voulez, il est marqué sur le site qu'il a 4 vitesses. Il en a que 3, sachant que je roule à la vitesse 1. Et encore je suis au quart de la poignée de la vitesse 1. Le skate avale les côtes mais d'une facilité énorme. Par contre comme je vous dis, je suis vraiment pas bien. Alors normalement faut être souple hein, sur un skateboard hein. Moi je suis tendu mon gars mais de tous les côtés hein. Je fais une séance de skateboard, j'ai l'impression que j'ai fait 30 km à pied mon vieux. Une grande randonnée. 30 km et eh bien parlons-en, c'est exactement l'autonomie qu'annonce la marque sur ce skateboard. Et du coup j'ai pas testé l'autonomie entière du skate, puisque je me vois mal faire 30 bornes avec ça. Donc 3 modes de vitesse qui se pilotent avec une télécommande. Vous avez une petite molette vers l'avant pour aller en marche avant et vers l'arrière pour freiner. Vous avez également une marche arrière, je vous montrerai en fait. Il vous suffit simplement d'appuyer 2 fois sur la touche du haut et vous passez en marche arrière. Attention, c'est très dangereux. Hein. Je te double. Ultra dangereux les voitures quand vous êtes à skateboard, surtout quand vous savez pas en faire comme moi. Alors surtout le frein, parlons-en. Si vous êtes à pleine vitesse sur le skateboard, penchez-vous bien en arrière. Non parce que sinon vous allez partir comme une balle de 22 long rifle droit devant mon gars. Ça va vous faire bizarre, le skateboard il va rester sur place mais vous allez partir loin tu vois. Et puis pas obligé de freiner à fond quoi tu vois, faut y aller mollo sur la poignée de frein. Alors c'est un frein moteur qui va récupérer de l'énergie dans les descentes. En fait à chaque fois que vous freinez vous récupérez un petit peu d'énergie sur la batterie tout simplement. Des roues en gomme de bonne qualité, alors pas faite pour faire du tout terrain. Malgré que j'ai déjà testé, vous pouvez rouler dans l'herbe sans problème, sur les cailloux, les graviers sans problème. Je vous le conseille pas tout de même parce que ça pourrait abîmer les roues du skateboard et tout. Donc là comme je vous dis, on est vraiment sur un produit premium. On est sur un skate quand même d'une valeur de 700 €. Je veux dire, j'ai pas eu d'autre idée que de prendre un skateboard de pro, mon gars, débutant comme je suis. Et honnêtement, je pense que c'est la première fois que j'en fais. Et peut-être la dernière, en fait, tu vois. Parce que je suis... Oh putain, pour tourner, mon gars, mais... Ah, je suis tellement pas chaud, là. C'est un truc de ouf. Eh, la montée, par contre, les montées, regardez ça, comment qu'ils les avalent. Regardez ça, même le VTT il reste derrière. Je vous raconte même pas, j'ai déjà failli me casser la gueule je ne sais pas combien de fois avec. La dernière fois j'ai voulu monter un petit trottoir tranquillement. Bon bah j'ai réussi à le monter tu vois, mais le skate il est monté tout seul encore une fois, sans moi dessus. Bon j'ai rayé un petit peu le dessous, j'ai fait 2-3 rayures. Après je veux dire c'est pas méchant, ça a pris un petit peu sur le plastique. Et puis bon c'est un skateboard hein. Vous allez pas le garder nickel tout le temps hein. Tu fais pas du skateboard en pantoufles je veux dire. Tu montes dessus en chaussures, tout ça. Vous allez forcément le salir hein. Bon au niveau du poids du skate, sinon il est lourd. D'où sa stabilité, franchement même si vous avez un terrain rugueux ou quoi, avec quelques petites bosses, vous n'allez pas spécialement les sentir. Sauf si vous êtes comme moi, ultra raide sur le skateboard. Ça va vous faire les jambes, assez sportif du skate hein. Bon petite déception pour ma part, parce que je voulais absolument tester un skateboard électrique. Mais je pensais pas que c'était aussi difficile d'en faire. Je pensais vraiment que ça allait être plus simple tu vois. Bon je me suis arrêté un petit peu pour parler du skateboard. Je suis actuellement assis dessus. Et donc je vous ai parlé brièvement de la télécommande. Donc bien sûr, marche avant, voilà. Et ça c'est pas la marche arrière quand vous allez en bas, c'est le frein moteur donc qui récupère de l'énergie à chaque fois que vous allez freiner avec le skateboard. Mais vous avez également une marche arrière. En appuyant 2 fois sur ce petit bouton, vous passez directement à la marche arrière. En fait, pour allumer la télécommande, vous restez tout simplement appuyé sur le bouton
Et le bouton du bas vous sert à changer de vitesse. Donc vitesse lente, vitesse moyenne ou vitesse rapide. Moi perso, depuis que je l'ai, je me suis servi que de la vitesse lente. J'ai essayé une fois la vitesse rapide, une fois. Enfin, c'est la vitesse moyenne que j'ai utilisée, la deuxième. J'ai dit c'est bon, je l'utilise pas mon gars, c'est un avion de chasse, laisse tomber. Surtout quand vous êtes un gars comme moi, ultra débutant pour le skateboard, vous savez pas en faire. Je veux dire, ça c'est quand même un produit pour les confirmer. Après, ça peut servir pour les débutants. Mais comme je vous le dis, vous allez rester vitesse 1, pas plus. Après, ça va être chaud. Si vraiment vous débutez dans le domaine, vous allez rester à 10-15 km/h, pas plus. Bon, quoi, quand je fais le fou, je suis capable de passer à 20-25, hein, donc ça va tranquille. Ça passe, mais au-delà, mon gars, je testerai pas. Je sais pas si t'imagines, le skate, quand même, il va plus vite que mon vélo, mon gars. Oui. Le vététiste confirme, quand même. Oui. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Sachant que mon vélo roule déjà à 40-45. Hein. Celui-là, il le double, mon gars. Je testerai pas, honnêtement. Hein. Ou alors, si vous êtes pas très chaud, vous pouvez en faire comme ça. Voilà, vous y allez en mode Superman, comme ça. Le vélo d'ailleurs, attention. Niveau matériaux, on est vraiment sur du très costaud. Hein. Regardez, la planche est bien souple. Vous... Oh putain, mon gars. Et ça, c'est chaud. Je refais pas ça, gros. Elle est partie. Ça, c'est chaud. Je voulais vous dire que vous êtes pas prêts de la casser en deux, en fait. Au niveau du tournage, il braque super bien, le tournage. Ça se dit, le tournage? Au niveau, non, du braquage? Non, voilà. Plutôt au niveau de la direction. Ouais, au niveau de la direction. Merci, cadreur, de me rappeler. Putain, le truc commence à descendre tout seul. Il braque super bien. Vous voyez, franchement, c'est très souple et tout. Donc, bien sûr, faut être un pro, hein, pour braquer avec ça. Hein. Moi, avant, je faisais du skateboard. Je m'en souviens, j'en faisais comme ça. Si, je me... Voilà, j'étais à genoux comme ça. T'as jamais fait du skate comme ça, toi? Non, j'en ai jamais fait du skate. Hein. À part l'audio. L'audio, j'ai pété la gueule. Ah, clairement. Bien sûr, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ah, putain, merde. J'ai sali mon pantalon. Bon, l'essentiel, c'est que mon skate est pas trop sale. Bon, il est un petit peu sale, hein, mais je veux dire, c'est un skateboard, hein, franchement. Voilà, ça, c'est obligé. Hein. À moins que vous le briquiez tous les jours, vous le passez au Karcher, je vous le déconseille quand même. Le skateboard est étanche. Étanche IPv4. Et ça, on l'a pas précisé, cadreur. Oui. IPv4, alors vous allez pas le plonger sous l'eau, de toute façon, je vous déconseille d'aller faire de la plongée sous-marine avec un skateboard, c'est pas fait pour. Mais si ça pleut, il résistera amplement aux gouttes de pluie, quoi. Bien que je vous déconseille de faire du skateboard par temps de pluie. Déjà d'une, parce que c'est pas agréable, et de deux, vous risquez de vous péter la gueule. À 50 km/h, t'as vite fait de faire de l'aquaplaning. Donc vous avez un bouton pour allumer le skateboard, juste ici, vous faites une pression dessus. Après ça, vous allumez la télécommande, ça se synchronise automatiquement avec le skateboard, ça c'est ultra rapide. Et puis après, roulez papant, vous êtes parti. Oui, monsieur ? Faut préciser qu'il faut allumer le skate avant. Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai dit. Ah bon ? Il me semble. Non. J'ai dit, vous allumez le skate avant et après vous allumez la télécommande. Ah bon ? Bah oui. Oh, bah, j'ai mal entendu. Bah voilà, il écoute rien, voilà. Il écoute rien. Voilà, je l'ai dit. Et bien sûr, vous avez deux roues motrices. Donc, il me semble que c'est deux roues motrices de 500 watts à chacune. Alors, je sais plus si c'est 500 watts ou 400 watts. Mauvais élève que je suis, je n'ai pas révisé ma fiche technique. Mais il me semble bien que c'est 500 watts. Donc, ça fait 1000 watts en fait. C'est chaud quand même pour un skateboard, bon gars. Comme je vous disais, au niveau du poids, le skate est quand même relativement lourd. Il fait 9,5 kg. Donc, ce qui permet aussi de gagner en stabilité. Vous allez être très stable. Il y a très peu de chances, voire quasi inexistante, que le skate se lève à l'avant ou à l'arrière, quoi, tu vois. Même si tu mets tout ton poids dessus, en général. Ou alors, faut vraiment le vouloir et se mettre sur la pointe, quoi. Mais il y a très peu de chances qu'il se lève. Bon, écoutez, j'ai à peu près tout dit sur ce skate. En tout cas, c'est un produit exceptionnel. Le pilote, beaucoup moins, forcément. N'oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description pour aller le checker. Bien sûr, comme d'hab, n'oubliez pas également le petit lien G2A pour aller acheter vos jeux vidéo préférés. Tout est dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. Le petit like, ça fait plaisir. Et ciao tout le monde. Bye bye. Ah là, c'est un plan sympa. Si tu veux dire autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, t'as pas autre chose à ajouter? Bah je sais pas mon vieux, t'as quelque chose à ajouter toi? Non, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. lâchez un petit like quand même sur la vidéo. Ça fait plaisir. Et partagez-la. Et partagez-la, voilà. Regardez, c'est un bon skateboard. Ou alors tu peux en faire comme ça, comme les pros. Les pros, ils font du skate comme ça, mon gars. Ouais. Les pros, ils sont comme ça pour faire du skate.